femelle. Je suis femelle Roma. Je suis femme. Je suis femme Roma. Je m'appelle Zeriona Malalova. Encore. Encore une autre. Encore une autre journée misérable. €2. Seulement 2 euros pour toutes ces heures passées à essayer de vendre les fleurs. Je veux un autre métier. Mais parce que j'ai un accent, parce que j'ai la peau foncée, parce que je porte les vêtements traditionnels de ma culture, parce que je suis Roma, on m'interdit presque tous les postes. Interdisent. Je suis obligée de travailler illégalement, trop souvent de mendier. Mais moi, j'ai réussi à fuir la prostitution. Mais pas mes sœurs Roma. Pas mes sœurs Roma. Je ne les vois plus. Tout est différent pour nous, les Roms. Les lois, les droits. L'autre jour, Masoura, ma sœur, s'est rendue à l'hôpital pour faire naître son enfant. Et le médecin, parce qu'elle avait la peau foncée, parce qu'elle était Roma et sans argent, il l'a laissée toute seule dans une chambre sans les soins. Masoura, ma sœur Aksoura, ma sœur, ma pauvre sœur, Rawam. Rawam, misérable homme, on se séparate à cause de ce misérable tabruti de médecin raciste. Masoura, ma sœur Aksoura morte, ma sœur, ma pauvre sœur est morte en couche. Personne n'a porté plainte. Trop peur de plus recevoir le soin sinon. Et l'été dernier encore, des hommes déguisés en policiers sont débarqués dans un campement en pleine nuit. Ils ont frappé mes cousins, ils ont forcé mes cousines à se déshabiller. Et ils ont volé tous leurs papiers, ce qui est terrible pour nous les Roms, parce que c'est tellement difficile pour en obtenir. Et nous, nous habitons de vieilles romaniches, de tentes, de maisons frêles, de morceaux ramassés ici et là. Et avant de partir, ils ont mis le feu. Toute la commune a brûlé. Et parce qu'on est Roms, on nous bloque l'accès aux services municipaux, on nous bloque l'accès aux services sociaux. Personne n'est venu éteindre le feu. Personne n'a essayé de trouver le criminel. Ça. Les pauvres, ils ont dû repartir vers la France. Mais c'est partout la même histoire. Ils ont été discriminés. Ils ont été exilés encore, 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 encore. Et c'est là toute l'histoire de notre peuple, depuis le début en Inde. Jugés, chassés, repoussés, exterminés. Libres, oui. Une liberté forcée. Où sont femelle? Où sont femelle Roma? Je suis femme. Je suis femme Roma. Je m'appelle Zeliona Malalova. Parfois, je ne mange pas. Je ne sais pas si mes filles reviendront de l'école. Je ne sais pas si je retrouverai ma Roma niche ou un tas de cendres d'art. In sun, in viata. Mais je suis en vie. Maintenant, je suis devenue la nature qui m'entoure. Je sais m'en guérir, je sais m'en nourrir. Et moi, je connais mes voisins. Frate, sura, var, vara, onchi, friten. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est mon oncle, c'est mon ami. Imfruna, ensemble. Ensemble. Pas sur la table ou non. Argent ou non. Nous nous aimons. Et quand nous nous aimons, nous chantons. Quand nous avons mal, quand nous avons très mal, nous chantons aussi. Impruna, ensemble nous sommes heureux. Et quand nous sommes heureux, nous dansons. Et ça, c'est à nous. Nous, nostre, et personne ne peut nous l'enlever.
personne. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vraie liberté. Aviata, reviata!